Salut à tous, c'est Matt de Crazy Blue Stuff, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, j'étais en train d'enregistrer un nouveau contenu pour les membres du Crazy Blue Stuff Club qui va bientôt arriver, où on parle d'un riff un peu Chicago Blues en accordage standard. Et alors, l'idée c'était vraiment de revenir, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo YouTube là-dessus. Principe général, c'était vraiment de revenir sur ce principe de question-réponse. Quand tu veux vraiment sonner blues à la Chicago, vraiment faire traîner un riff, un rythme. Alors là, on ne parle pas d'un blues en 12 mesures, on parle vraiment d'un blues hypnotique qui va rester sur un accord. Ok, donc là, vraiment, je suis en accordage standard, ça va être en mi. Et l'idée, c'est vraiment de rester sur ce truc. Alors, ça marche très très bien en accordage, en open tuning aussi. Mais voilà, l'idée, c'est quoi? C'est toujours cette question-réponse. Et alors, en fait, d'avoir un riff qui va être là et qui va traîner tout le temps, qu'on va toujours réentendre. Alors il va peut-être un peu bouger dans le timing, mais en tout cas on va toujours l'avoir, et ensuite on va répondre avec des petites phrases. Ça peut marcher dans les deux sens. Je te fais déjà l'exemple de ça. C'est ça, mon riff, ça va être ça. Ok, je te montre, hop, tac, je suis juste en accordage standard et je vais avoir troisième case sur la corde de mi, je vais chercher le mi ici, ok. Donc la septième, la tonique, la tierce, pardon. Et ensuite, je vais y jouer des réponses. Je vais te montrer tout ça de près après, t'inquiète pas. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir ce riff qui va faire la question, et d'ensuite avoir des notes aiguës qui vont faire la réponse. Ou en tout cas, je veux différencier le spectre. C'est-à-dire que je vais faire la réponse avec ce riff dans les graves, et je veux quelque chose qui claque et qui arrive d'un coup, et donc là, je vais aller chercher des notes aiguës pour jouer ça, ok? Ce qui serait génial, c'est de pouvoir continuer, que tu puisses continuer de jouer le pouce. Comme ça, ça garde cette rythmique. Donc on a vraiment cette rythmique qui reste, les graves, les aigus. Il y a une autre façon de faire, c'est aussi de laisser traîner, c'est-à-dire que là, donc je faisais deux temps sur le riff et deux temps sur la rythmique, on pourrait aller jusqu'à faire quatre temps de break et de vraiment pouvoir installer une phrase un peu plus là-dessus. Donc là où je veux insister, pour comme ça je vais te montrer de près maintenant et comme ça tu as ça dans la tête, c'est vraiment le sens du timing, le fait de garder cette chose hypnotique, de varier entre les graves et les aigus, tout en mettant vraiment un feeling dans ce que tu joues. Ok, je te montre de près. Donc comme je te le dis, je suis en accordage standard. Ok, donc mon riff, ça va être... L'idée, c'est quoi? C'est de garder le pouce, ou encore mieux, d'aller chercher le ternaire, donc le triolet, pour pouvoir mettre un peu de groove. Donc 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... Ok, le pouce, tu ne feras pas toujours la même chose. C'est pas très très grave. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais 1, puis 2.
2, puis 3. Ok? Tu peux le considérer avant ou après. 1, 2, 1. Donc là, je vais mettre mon riff sur les deux premiers temps. Donc je vais avoir 1, puis, pardon, 1, puis 2, puis 3. Ok? Donc, 1, puis 2, hop, troisième case, puis 3, troisième temps, ok? 1, puis 2, puis 3, 4, 1, puis 2, puis 3, 4, 1, puis 2, puis 3, 4, ok? Ça, on va le considérer comme la question. À partir du troisième temps, on a deux temps pour faire un petit gimmick et on va chercher les aigus, ok? On va aller chercher un petit truc sur les aigus. On va se servir de quoi? De la gamme pentatonique. Moi, tu sais que j'aime pas trop parler de gamme pentatonique comme ça et de schéma. Je préfère beaucoup plus te parler de zone de jeu, ok? Donc on va plutôt aller chercher ça. Ok? Ou... Okay. Donc 3, 0, 3, 0, ou alors 5, 3, 5, 3, ok. Mais se concentrer sur quelques notes, parce qu'on ne va pas pouvoir jouer toute la gamme et le riff en même temps. Ça va donner quoi? Ça va donner 1, puis 2, puis 3, 4, puis 1, puis 2, puis 3. Forcément évident de compter tout en jouant, mais comme je l'ai fait dans la démo au début, on peut carrément aller chercher la 12e case ici, ok? On est toujours sur la gamme pentatonique, mais je vais préférer me concentrer sur une zone de jeu et quelques notes, voire en gardant le riff. Ce qui va être cool, c'est qu'on va passer de là à là, donc on va pouvoir entendre hein, une belle petite note qui va slider vers le bas, ok? Ça, c'est sympa aussi de le jouer par là. Quand je te disais qu'on allait pouvoir rester plus longtemps, on pourrait rester 4 temps aussi à faire une petite gimmick pour comme créer une tension ou créer un break dans le truc, ok? 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis... 1, 2, puis 3. 1, puis... Écoute... encore rester plus longtemps. Et après, tu peux rester un peu sur le riff. Petit plan que je trouve très sympa que je te montre. J'adore aller chercher ici 15e case
et repartir tout de suite sur la 14 ici. Exactement le même plan 4 fiches blues qu'on a ici. Qui est plus difficile à jouer ici parce que on a voilà les cordes ici, on a les cordes à vide. Là on a la 12e case, donc normalement on devrait poser le doigt, mais vraiment très sympa. 15, 14, je vais chercher la 15e pour avoir la blue note. Je reviens sur la 14, 12, 14. Et là, tu as un beau contraste. Et tu peux même le jouer à l'octave. Comme si tu avais deux chanteurs. Voilà, je voulais te montrer cette astuce parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Le jeu de questions-réponses dans le blues, c'est primordial. Enfin, faut vraiment choper le truc. S'il y a vraiment comme s'il y avait deux voix dans ta tête, quoi. Pouf, tu joues, tu te réponds. Si tu fais toujours la même chose, bah, au bout d'un moment, ça tourne en boucle, hein, enfin, on s'entend. Mais là, c'est vraiment de pouvoir mettre des petits éléments comme ça de temps en temps. Voilà, comme je te l'ai dit, je fais cette vidéo parce que j'ai eu l'idée en tournant la ressource pour le Crazy Blue Stuff Club. Si tu veux en connaître, si tu veux en savoir plus sur le Crazy Blue Stuff Club, je te mets le lien ici, juste en dessous. Voilà, le club, c'est quoi? C'est l'accès à plus de 30 heures de contenu, mais surtout la communauté, participer à des challenges, pouvoir participer au live avec moi, me poser tes questions, poster tes vidéos, avoir des avis, plein de choses. Je te mets le lien ici, ce sera plus simple que d'aller voir par toi-même. Allez, ciao, ciao.